J'enchaîne dessin après dessin en espérant laisser mes marques. Je me concentre et tout d'un coup je vois des masques. Wow. Est-ce juste un rêve qui me prend de la place? Mais je les vois même dans la glace. Je crois que j'ai compris, je suis enfermé chez moi. Ça fait maintenant 2 mois. Ça fait des heures que je suis assis et que j'ai des visions. J'ai des hallucinations. Wow. J'ai fait tellement de toiles que je peins maintenant sur les murs. Au plus au magasin ils ont pris toutes les peintures. J'ai plus de tableau, j'ai plus de tablette. À force de prendre des seins, on va m'appeler Jérémiette. En fait, c'est moi qui ai pris toutes les peintures, on le voit dans la vidéo. Mais je voulais pas qu'au magasin, on sache que j'ai tout vidé. Oh. Parfois, je me demande si je suis confiné et souvent quand on finit. Peut-être les deux, qui sait, car je ris tout seul de mes conneries. Si je mens, si je nuis, c'est parce que je m'ennuie. Je mange tellement de sucreries parce qu'au plus je suis confiné, au plus j'aime les confiseries. Je mange tout ce qui me vient, tout ce qui me passe par la main. Je mélange la moutarde avec la confiture. Et je confonds même le ketchup et la mayo avec ma peinture. Du coup je suis constipé, aux toilettes je suis confiné. Il passe tellement de temps que ça fait des confettis. Parfois je me demande si je suis confiné ou plutôt confini. Peut-être les deux, qui sait, car je ris tout seul de mes conneries. Je deviens fou, je me vois en double et je me demande si je perds la boule. Y'a plus de bise, y'a plus de nous. Alors à moi-même j'envoie des bisous. Si j'expose tes œuvres, c'est pour que tu puisses te changer les idées. En espérant qu'un jour tu pourras percer. Je parle même de toi les dimanches, profite tu as carte blanche. Souvent quand j'écris je fais des fautes mais je le fais pas exprès. Ce qui compte c'est qu'on évolue ensemble s'il le faut à coups de pied. Je reprends le boulot en plein milieu de la forêt. Ah non c'est pas un boulot mais quand je le touche j'ai juste envie de crier.